Encore une fois, bonjour à tous. Guillaume Nadeau, toujours au Salon de quilles Volta à Boucherville. On est presque à la fin de notre première journée et je suis présentement accompagné de Frank Marisi de Brunswick. Il va nous parler un petit peu parce que vous savez, il y a eu des changements dans la compagnie Brunswick. Entre autres, maintenant, il y a 3 divisions et c'est un petit peu ce qu'il va nous expliquer. On va y aller une catégorie à la fois. Je vais essayer de vous traduire, vous expliquer du mieux possible. So, Frank, just before taping this, we were talking about the 3 divisions now at Brunswick. So, first, can you introduce us one division, one category, let's say the pro shops, for example? Sure, absolutely. Yep. Brunswick, like you said, has 3 divisions. The name of the company is Brunswick Bowling Products. That is the new corporate name. Under that name, we have 3 divisions, as you mentioned, and consumer products. Consumer products is one division. Consumer products consist of performance bowling balls, bags, shoes, accessories. And when I say performance, I mean that's everything from the beginner bowler all the way up to a highly competitive bowler. Alors, la première division, je lui ai demandé peut-être de nous parler plus des boutiques du pro. Alors, cette division-là, c'est service aux consommateurs. Donc, si vous recherchez, ben, si les boutiques recherchent, je devrais dire, boules de quilles, les sacs, les souliers, à ce moment-là, ils vont s'adresser directement à la division Consumer Service, service aux consommateurs. The second division, let's say that here, that the bowling center here, needs new scoring system, and a machine to oil the lanes. How does it work? Okay, that is actually two divisions, but the first one that you mentioned, the scoring system. So if a bowling center wants a new scoring system, or let's say lanes or furniture, that would be capital equipment, the capital equipment division. Okay, alors, les machines à huiler, ici, tout l'ameublement, ça fait partie de Capital, you said? Correct, Capital Equipment. Capital Equipment Division. C'est la deuxième division, la deuxième catégorie maintenant chez Brunswick. And the third one, which I was a little bit confused. That's okay. Please explain for us. Sure, absolutely. It can be confusing. The third division is what's called aftermarket. And aftermarket is the division that I work for and work in. And aftermarket would consist if the bowling center wants a lane machine, a lane oiling machine, or if they need parts for their pin setter or chemicals for their bowling lanes. That's the aftermarket division. Alors, la dernière division, Aftermarket Division, donc le marché après-vente, j'ai fait une petite erreur tantôt. Donc, pour la deuxième division, c'était plutôt les écrans de pointage. La troisième division, donc, si c'est les pièces de la machinerie en arrière, si c'est les produits chimiques qu'on utilise dans les huileuses ou encore les machines à huiler, les huileuses, alors ça va être l'Aftermarket Division. Donc, voici comment la compagnie Brunswick fonctionne finalement. Bien sûr, there is one big name for all these three companies. Can you remind us the name? Yes, absolutely. The name is Brunswick Bowling Products, and that name actually was recently. Brunswick, again, the 3 divisions that we talked about, capital equipment, aftermarket, and consumer, those 3 divisions, they were recently sold. And is now the new company name is Brunswick Bowling Products. Alors, les 3 divisions font partie d'une seule grosse compagnie maintenant qui s'appelle Brunswick Bowling Products. Correct, merci. Alors, ça ne fait plus partie du Brunswick Original, OK, de la compagnie originale de Brunswick. C'est maintenant une division complètement à part. Le nom était gardé. But I guess the future is still bright for you with this new company, right? Absolutely it is. And that's one thing that we want to make sure. That is really the main message we want our customers to know. Customers from the bowler to the bowling center to distributors, the entire bowling industry. We want that message to be known to them
that Brunswick and Brunswick Bowling is still here. We are not going anywhere. The future is going to be bright. We look very very forward to the future. Alors, juste en dernier lieu, j'ai demandé à Frank, j'ai dit, avec cette nouvelle façon de travailler là, cette nouvelle compagnie, j'ai dit, j'imagine que le futur regarde très bien pour vous. Il a dit, oui, je vais être très rassurant pour les joueurs de quilles, les propriétaires de salons de quilles, les propriétaires de boutiques aussi. Ils sont là pour rester. Ça fait plus de, 50 or 60 years that Brunswick is alive. So, right? Yeah, oh, absolutely. Over since we've been doing since 1895. Donc, voyez, ça fait depuis 1955 que Brunswick est là dans l'industrie des quilles. Alors, sont encore là pour rester. On vous rassure. Frank, thank you very much. You've been here many, many times. So, see you next year, I guess. Yes, absolutely. I enjoy it. Thank you so much. Anytime. Thank you.